Les ministères du secteur de l'éducation et leurs partenaires ont organisé les 4 et 5 décembre 2023 au CNMS à Cocody la revue sectorielle éducation-formation en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara et celui de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage Nguessan Kofi. Cette 7e édition est placée sous le thème « Regard croisé sur les examens nationaux ». La cérémonie s'est ouverte avec l'allocution de la chef de file du groupe local des partenaires de l'éducation, Sabrina Vigani. La revue sectorielle est une occasion précieuse pour tous les acteurs et pour les parties prenantes que nous sommes de faire le point sur les avancées et les défis rencontrés dans la réalisation des objectifs du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025. C'est au ministre Nguessan Kofi, assurant l'intérim de la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, qu'est revenue la charge de l'allocution d'ouverture. Le secteur de l'éducation et de la formation est engagé depuis 2007 dans une démarche dynamique de planification sectorielle avec la participation de l'ensemble des partenaires techniques et financiers regroupés au sein du groupe local des partenaires pour l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. GLPE. La pertinence des revues sectorielles s'impose en tant qu'instrument de renforcement de la redevabilité, de la coordination et du pilotage du système dans un contexte de budget programme. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, tout en vous réitérant mes remerciements pour votre présence si distinguée, je déclare ouverte la revue annuelle 2023 du secteur éducation-formation. Binaté Mamadou, coordonnateur de la Task Force, a procédé à la présentation du rapport de suivi du plan sectoriel éducation-formation. Il a fait savoir que les revues sectorielles sont organisées pour partager avec la communauté nationale les performances réalisées par le système éducatif et de négocier les attentes avec la communauté pour savoir comment conjuguer les efforts pour relever tous les défis du secteur éducatif national. Pour sa part, Adama Diawara a profité de l'occasion pour annoncer les nouvelles dispositions prises pour l'amélioration du niveau des étudiants. L'université, l'examen unique, c'est fini. Maintenant, on fera un contrôle continu. Entrant au niveau des bacheliers, qu'est-ce qu'on fait du reste? Le reste, on les oriente dans le privé, dans les universités, grandes écoles privées, universités privées pour faire une licence professionnelle, ou dans les grandes écoles privées pour faire un BTS. Les experts vont relever les points forts de notre système, l'efficacité interne du système, mais aussi les points faibles et les points d'attention, comme on l'a dit. Mais l'idée, c'est vraiment de faire un bilan et de voir comment le système éducatif formation se comporte aujourd'hui dans notre système.